La leçon d'aujourd'hui, c'est Spencer Dinwiddie qui nous la propose. L'utilisation de la main opposée. Au début de l'action, Harris défend avec les pieds parallèles à la ligne à 3 points. Dinwiddie est déjà bas sur les jambes, prêt à démarrer. Avec les dribbles entre les jambes, Dinwiddie a réussi à faire en sorte que Harris ouvre ses appuis. Avec un petit saut, le nouveau pensionnaire des Nets place son pied droit en arrière pour attaquer l'anneau. Et ce qui nous intéresse ici, tout particulièrement, c'est le double mouvement de balancier qu'il va réaliser avec son bras droit. Un premier mouvement de balancier pour enlever la main de Harris, qui est au contact. Et un deuxième mouvement de balancier dans la foulée. Sous cet angle, et au ralenti, on voit encore mieux comment Dinwiddie enlève le contact de Harris. Si ce sujet te tente, cela me plairait de faire une vidéo plus complète de l'utilisation de la main opposée dans le drive. Si ça t'intéresse, tu peux le partager en commentaire.